Auditrices et auditeurs, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour votre émission Armée Nation, La Voix des Djambars. Une émission conçue et réalisée dans le studio Feu Adjudant Mansour Diouf de la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées. Dans un instant, le sommaire. La Voix des Djambars. Dans le mini-journal, vous aurez la visite du chef d'état-major général des armées à la base navale centre et aux forces spéciales mer. La cérémonie de lancement de la formation en maintenance et conduite et de remise de camions Mercedes-Benz 2306A au bataillon du train et l'exercice African Line 2024 au centre d'entraînement tactique colonel Tchernondiaï de Dodji. La ligne de mire de cette émission sera consacrée à la fin de la corvette sous-régionale de la première promotion des élèves officiers de l'école de la marine nationale. La journée de la langue anglaise à l'école nationale des officiers d'actifs de Thiès, édition 2024, et un module média au profit du cours de formation des futurs commandants d'unité à l'école d'application et de perfectionnement interarmes. Pour la passeport, nous irons au cabinet du chef d'état-major général des armées avec l'audience accordée aux soldats de première classe à la retraite Edmond Sanka, ancien parachutiste qualifié aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Vos avis et communiqués et le disque du soldat mettront fin à cette émission. À la présentation, vous avez le sergent-chef Luc Mingou, à la cabine technique l'adjudant Abdou Majim Daou et le sergent-chef Famara Bodjan. Voilà les titres, le développement dans un court instant. Le général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées, a effectué une visite de contact au camp général Muntaga Diallo de Bel Air et à la base navale amiral Faye Gassama le vendredi 23 mai 2024. Ce déplacement a permis au SEMGA et sa délégation de s'enquérir des conditions de travail de ces deux entités. Sergent Ndeye Astousso. Accompagné des grands commandements et services, le général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées, a d'abord rendu visite aux éléments des forces spéciales mer. Après les honneurs, le SEMGA a eu droit à un exposé sur le fonctionnement de cette unité, suivi d'une présentation des matériels. S'adressant au personnel de cette unité d'élite, le général Cissé les a félicités pour le travail abattu. Je vous félicite pour le travail que vous êtes en train de faire avec aussi les éléments de la COFIMACO qui sont dans les différentes bases et qui font un excellent travail au sud et au nord dans le cadre de l'immigration clandestine, mais dans le cadre général de l'action de l'État, de la surveillance, du contrôle, il y a un excellent travail qui est fait. Ça, c'est aussi votre engagement. Je voudrais vous féliciter et vous encourager à continuer. Par la suite, le SEMGA s'est rendu à la base navale amiral Faye Gassama où il a visité la base des éléments français au Sénégal. Avant de prendre congé de ses hôtes, le général Cissé a félicité les marins pour le travail accompli dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il les a aussi invités à s'approprier les valeurs telles que la discipline, le travail et la cohésion qui sont les fondamentaux de l'armée. Cette visite a été une occasion pour le chef d'état-major général des armées et sa délégation d'avoir un aperçu sur le travail effectué par les marins dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière, mais aussi de prendre acte des préoccupations exposées pour y apporter des solutions idoines. Le général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées, a procédé au lancement de la formation sur la maintenance et la conduite des camions Mercedes-Benz Zetros 2036A au bataillon du train le mercredi 29 mai 2024. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est tenue dans l'enceinte du camp colonel Abdoulaye Traoré, ex-Batrain, Siawakam, où le SEMGA a remis des véhicules neufs destinés au transport de troupes. Une activité qui entre dans le cadre de la restauration des capacités du dit bataillon. Reportage. Récemment acquis par les armées, ces camions Mercedes-Benz Zetros 2036A au nombre de 10 ont été remis officiellement au bataillon du train par le général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées. Ce premier lot de véhicules sera suivi de l'acquisition prochaine de bus pour le transport public, ce qui va renforcer le parc automobile de cette unité de réserve générale. Il y a quelques mois, j'étais de passage ici et je vous avais promis que un des axes d'effort du commandement était de restaurer les capacités du bataillon du train. Vous savez que le bataillon du train, c'est l'arme qui permet au commandement d'assurer les mouvements de toutes les unités, que ce soit des mouvements en temps de paix ou en temps de crise ou de guerre. C'est aussi un bataillon qui joue un rôle très très important en soutien au service public, puisque beaucoup des missions de l'État
et des autres départements ministériels sont exécutés par le bataillon du train. Et il faut dire que ces dernières années, donc, le parc a souffert d'un déficit assez grave et il était question de le restaurer. Et là, c'est juste le premier jet qui va nous permettre non seulement de combler les déficits que j'ai déjà évoqués, mais en plus va aider largement dans la projection des troupes. Dans des conditions sécurisées, puisque avec des véhicules aux normes, neufs et ayant fait l'objet d'une appropriation par les conducteurs pour l'objet de cette formation. Ce programme de transport sera complété bientôt par la restauration des capacités de transport public en bus. Le camion Mercedes-Benz Z-Tross 2036 est un véhicule tout-terrain de 16 500 km et d'une capacité d'emport de 32 combattants. Il dispose d'une capacité de réservoir de 2 x 290 litres, d'une puissance motrice de 2700 kW, d'une consommation de carburant de 25 litres au 100 km, d'une autonomie de 2320 km, d'un empattement de 5100 mm et d'un pneumatique de 14 R20. Il va améliorer de manière significative la mobilité des unités. Le SEMGA a profité de cette occasion pour lancer officiellement la formation sur la maintenance et la conduite des camions Mercedes-Benz Z-Tross 2036A. S'adressant aux stagiaires, le chef d'état-major général des armées les a exhortés à s'investir pleinement durant le stage pour mieux connaître ces véhicules afin de les entretenir. Je vous demande au cours de ce stage, qui va durer environ 3 semaines, de vous impliquer pour maîtriser le matériel mis à votre disposition, qui est un matériel cher, tiré de l'impôt de nos concitoyens, et vous avez l'obligation de l'entretenir. Et l'entretenir, c'est d'abord connaître le matériel, s'investir dans les opérations quotidiennes d'entretien et de maintenance qui sont de votre niveau, et en faire un bien personnel, puisque c'est un outil de combat qu'on vous a confié et qui appartient à toutes les armées. Je vous souhaite un bon stage à tous et rendez-vous bientôt pour des exercices pratiques pour voir si tout ça a été bien assimilé. Cette remise de camion Mercedes-Benz Z-Tross 2036A va sans nul doute renforcer les capacités logistiques du bataillon du train, ce qui va permettre à cette unité de réserve générale de mieux remplir sa mission qui est d'assurer le mouvement de toutes les unités en temps de paix, en temps de crise ou de guerre. Fin de l'exercice African Line 2024. Cette manœuvre militaire multinationale constitue un point d'ancrage des armées américaines et leurs partenaires en Afrique. L'exercice a pour but de renforcer la coopération régionale et la sécurité en Afrique du Nord et de l'Ouest et surtout de mieux outiller les participants afin de lutter contre les menaces extrémistes dans la région. African Line a débuté le 27 avril au Maroc et s'est terminé le 30 mai au centre d'entraînement tactique colonel Tchernondiaï de Dodji. Sergent-chef Seydina Issa Diouf. African Line est un exercice combiné interarmée et multidomaine qui constitue un lieu privilégié pour le renforcement de l'état préparatoire des unités au combat et de mettre à l'épreuve les systèmes et les nœuds de déploiement stratégique tout en testant l'interopérabilité multinationale. Pour cette 20e édition, environ 8100 participants issus de 35 nations et organisations partenaires d'Afrique y ont participé dans la période du 27 avril au 30 mai 2024, de la Tunisie au Sénégal, en passant par le Maroc et le Ghana. Pour la partie sénégalaise, African Line a débuté le 20 et s'est terminé le 30 mai 2024. Le général de brigade de Souleymane Kandé, chef d'état-major de l'armée de terre, sur le but de l'exercice. Dans le concept de l'exercice African Line, donc c'est un exercice qui a pour but de renforcer le partenariat militaire opérationnel entre les pays partenaires stratégiques que sont les États-Unis d'Amérique, les Pays-Bas et le Sénégal pour réellement effectivement augmenter les capacités de nos forces terrestres africaines pour mieux prendre en compte les menaces qui sévissent au niveau des zones transfrontalières et lutter efficacement aussi contre les crimes organisés. Donc durant cette première semaine quand nous sommes engagés ici au niveau de Dodji avec nos différentes troupes, nous avons pu conduire durant cette première semaine des exercices de formation pour nos personnels d'état-major pour leur permettre d'harmoniser leur technique de travail en état-major, de perfectionner leur technique également, de procédures opérationnelles et de fusionner leurs procédures pour nous permettre de travailler ensemble sur le terrain. Durant plus d'une semaine, les participants à cette manœuvre ont su bénéficier d'une instruction de haute portée pour mieux outiller les unités, de rudiments de technique et de savoir-faire pour mieux asseoir les rênes de cette conquête permanente
tente de lutter contre les menaces protéiformes engendrées par les organisations extrémistes violentes. Les troupes étaient engagées également dans des activités d'instruction, de l'instruction théorique et technique, mais également de l'instruction sur le terrain pour leur permettre donc de s'approprier et de revisiter les fondamentaux tactiques et techniques, mais également de tester toutes les capacités, tous nos systèmes de tir. L'enjeu donc de cet exercice Africa Lion, c'est vraiment de créer une interopérabilité entre les différentes unités qui sont engagées ici. Et plus tard, bien sûr, le grand défi, ce sera réellement de créer une coalition beaucoup plus large en y associant, bien sûr, les pays de la sous-région ouest-africaine pour aller combattre les menaces qui sévissent au niveau des zones transfrontalières et également lutter efficacement contre tous les trafics illicites qui se font au niveau de ces zones qui sont très sensibles. Le général de division, Todd Wasmund, commandant les armées américaines pour les partenaires en Afrique, a fait étalage sur le choix porté sur l'armée sénégalaise pour participer à cet exercice qui, selon lui, peut prévaloir beaucoup de satisfaction dans la mesure où les unités qui y participent bénéficient de techniques et de connaissances nouvelles pour la mise en œuvre de leur mode opératoire. Je veux débuter par remercier le général Kandé pour son soutien durant cet exercice. Le général Kandé a expliqué les raisons qui nous ont poussés à s'entraîner ensemble pour développer nos capacités et atteindre un niveau d'interopérabilité pour voir comment faire face aux différentes menaces qui sévissent dans les régions. Le Sénégal est un partenaire idéal pour ce genre d'exercice parce que nous avons d'excellentes relations avec le Sénégal depuis plus de 60 années. Venir au Sénégal pour cet exercice est un bon choix du fait de son leadership dans cette partie ouest africaine. Ils ont une armée professionnelle et nous pouvons atteindre nos objectifs, à savoir comment procéder dans cette région africaine. Nous ne pouvons pas faire seuls. Nous avons plus de 570 personnels déployés dans cet exercice et avons procuré beaucoup de moyens dans la logistique, comme l'a expliqué le général Kandé tout à l'heure en parlant logistique, tout pour que la manœuvre ait un succès éclatant et atteindre notre objectif tactique. Continue to grow the exercise in the future and we thank you for your support. L'exercice African Line 2024 a vu la participation d'unités des armées américaines, néerlandaises et sénégalaises dans le but de synchroniser leur savoir-faire tactique technique pour une meilleure prise en compte des menaces terroristes dans cette région africaine. La réussite de cette manœuvre est certifiée par l'exercice mené par le lieutenant-colonel Malik Sadji, chef de corps du 3e bataillon d'infanterie lors du VIP Day dans la matinée du dimanche 26 mai. Au total, le Sénégal a engagé plus de 800 personnels lors de cet exercice qui, selon le général de brigade Souleymane Kandé, chef d'état-major de l'armée de terre, est une réussite éclatante pour les nations qui y ont participé. La corvette de la première promotion des officiers élèves de l'école de la Marine nationale a pris fin ce mercredi 29 mai. D'une durée de 21 jours en mer, cette activité de synthèse qui s'est effectué à bord du patrouilleur de haute mer Wallo a permis à ses officiers de mettre en pratique les connaissances acquises durant leur cursus. Exécuté en trois étapes avec des escales à Praia, Conakry et Banjul, cette corvette a accueilli des officiers issus du Cap-Vert, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la Guinée. La cérémonie de clôture a été présidée par le contre-amiral Abdou Sen, chef d'état-major de la Marine nationale au quai de la base navale Amiral Faye Gassama. Compte rendu, sergent chef Amadou Faye, Bureau Information Relations Publiques, Marine nationale. Activité majeure, partie intégrante du cursus au sein de toutes les écoles d'officiers de marine du monde. Cette corvette première du genre, organisée par l'état-major de la Marine, a pour objectif d'exposer ces jeunes officiers aux exigences du métier de marin en mettant en pratique leurs connaissances et apprentissages acquis dans le domaine maritime et la conduite des opérations navales. Le contre-amiral Abdou Sen, chef d'état-major de la Marine nationale. Cette toute première campagne de fin de formation de l'EMA, organisée dans la sous-région au profit de ses officiers élèves, constitue d'abord une extraordinaire opportunité de mise en pratique des connaissances acquises par ses apprenants durant les deux dernières années. Elle s'inscrit en droite ligne des traditions des grandes marines qui veulent qu'à la fin du cursus académique des officiers en formation, qu'une corvette de longue durée soit organisée pour permettre à ces derniers d'appréhender leurs futures fonctions dans les unités navales
et de se familiariser avec la vie à bord. Il va sans dire qu'au-delà du cachet académique que revêt cette corvette, cette activité qui touche à sa fin est tout aussi symbolique pour les mannes que pour la Marine nationale. Elle constitue ainsi la toute première traversée du genre organisée dans la sous-région. En outre, elle marque une étape importante dans la vie de la toute nouvelle école de la Marine nationale, inaugurée en juin 2022, et plus généralement dans l'histoire de notre armée. Ayant pris départ le 2 mai à bord du patrouilleur de haute mer Wallo, Cap-Vert était la première étape d'un long périple de 21 jours avec des escales à Praia, Conakry et Banjul. Durant toute la traversée, le séjour de ces officiers élèves était rythmé par des alternances entre les cars en passerelle et au centre des opérations. Une occasion pour les élèves de s'immerger dans les services et de s'intégrer dans la vie à bord. Le capitaine de vaisseau Abdoussalam Diallo, commandant l'école de la Marine nationale. Cette corvette conduite dans la sous-région a vu la participation des 5 officiers de la première promotion de l'EMAN ainsi que des représentants des pays voisins. Rythmée par des alternances entre les cars en passerelle et aux centrales opérations, cette sortie a permis aux élèves de s'immerger dans les services et de s'intégrer dans la vie à bord. Animé sur le plan de la navigation par des enchaînements d'exercices et de mises en situation pratique, elle a été une belle occasion pour renforcer les compétences des officiers afin qu'ils puissent exercer le quart en passerelle, en navigation côtière et hôtelière à bord des bâtiments de la Marine nationale. Au-delà du volet académique, cette traversée était aussi une occasion pour le patrouilleur de haute mer Wallo de faire de la diplomatie navale. En effet, du Cap-Vert à la Gambie, en passant par la Guinée, partout où le Wallo a accosté, la coopération a été rehaussée par des visites auprès des représentations diplomatiques et états-majors d'armée. Le capitaine de frégate Youssouf Li, commandant le patrouilleur de haute mer Wallo. Ce voyage d'études a permis à nos cadets de pouvoir apprécier directement la complexité et les défis qui nous font face. En effet, les mers sont vastes et impitoyables. Et les menaces auxquelles le Sénégal, comme les pays de la sous-région, sont confrontés sont diverses et en constante évolution. De la piraterie au terrorisme, des catastrophes naturelles aux tensions régionales, nos nations devront être prêtes à réagir rapidement et de manière décisive et surtout coordonnée pour protéger nos intérêts et assurer la sécurité de nos citoyens. Avant de clore la corvette, le chef d'état-major de la marine a invité les officiers élèves à consolider les connaissances théoriques et pratiques acquises durant leur cursus à l'école. Le contre-amiral Abdou Sène. À vous, officiers élèves de cette corvette, je crois que cette campagne de formation que vous venez d'achever aura permis de consolider les connaissances théoriques et pratiques que vos encadreurs vous ont inculquées durant toute la période de votre formation. Elle sera certainement un moment inoubliable, ouvrant, je le souhaite, de belles perspectives dans vos carrières professionnelles respectives. Quant aux officiers des pays amis invités, j'espère que cette corvette a été une expérience très enrichissante sur le plan professionnel et humain et je souhaite un bon retour dans vos pays d'origine. Cette corvette sous-régionale a également permis aux officiers élèves de découvrir le monde maritime, les marines étrangères et de renforcer leur ouverture d'esprit. Enfin, elle constitue une opportunité de tisser des relations de fraternité avec les stagiaires invités, tout en cultivant une connaissance collective autour des défis et enjeux de la sécurité de notre environnement maritime commun, conformément aux orientations du chef d'état-major de la Marine nationale. C'est Jean-Cher Amoud Faye, Bureau Information Relations Publiques, Marine nationale. L'édition 2024 de la langue anglaise, l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès, a été organisée le mardi 21 mai dans l'enceinte de la dite école. Cette formation est centrée autour du thème Commitment and Leadership, Training the Next Generation of Leaders. Ce qui veut dire dans la langue de Molière, l'engagement et le leadership, comment préparer la future génération. La cérémonie a été présidée par le colonel Tchernouning, commandant la zone militaire numéro 7, en présence de M. Jean-Pierre Karabaranka, ambassadeur du Rwanda au Sénégal, des autorités administratives et diplomatiques, de la Gambie, du Ghana, du Nigeria et des attachés de défense auprès des ambassades des États-Unis d'Amérique et de la Grande-Bretagne au Sénégal. Reportage, serre en chef Ahmed Tidiane Djemé, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 7. C'est dans le but d'assurer une bonne expression de la langue anglaise au futur
leaders, que sont les élèves officiers d'active, que cette journée a été organisée pour leur permettre de se familiariser davantage avec l'anglais. Ils vont profiter de cette journée pour échanger à travers des stands organisés à cet effet avec les élèves venus de différents instituts comme l'École nationale d'administration de Dakar, l'Université Ibarertiam, l'enseignement supérieur de la gestion des finances et fiscalité, ENSUP Afrique, de l'Institut supérieur de management de Thiès et du club d'anglais du lycée Gilles Sagnan. Une cérémonie aux couleurs, une présentation de l'École nationale des officiers d'active à l'amphithéâtre et une visite guidée a permis aux invités de mieux appréhender l'enseignement et la formation qui se fait dans cet institut. Le colonel Sergueï, commandant l'École nationale des officiers d'active, est revenu sur les objectifs visés à travers cette journée de la langue anglaise. Cette journée fait partie des activités majeures dans le programme de formation des élèves officiers d'active de l'École nationale des officiers d'active. Et c'est une journée qui a pour objectif, dans un premier temps, de permettre aux élèves officiers d'active qui font l'anglais pratiquement pendant les 2 ans, donc ça leur permet d'avoir une journée qui leur est dédiée pour parler l'anglais. Donc c'est ça le premier objectif, prendre toute une journée pour parler l'anglais. Et je pense que cette journée, pendant la journée, vous l'avez constaté, il était interdit de parler toute autre langue que l'anglais et ça s'est bien passé. Le deuxième objectif, c'est de leur permettre d'être en contact avec d'autres étudiants, notamment les clubs d'anglais des universités de la place, de Thiès principalement, et aussi d'autres écoles, de grandes écoles comme l'École nationale d'administration qui était représentée par des stagiaires ici. Donc les universités de Thiès se sont bien illustrées durant cette journée de langue anglaise. Le troisième objectif consistait à leur permettre d'être en contact avec de hauts cadres des représentations diplomatiques qu'on a choisi, Commitment and Leadership, Training the Next Generation. Invité à cette journée, Ngor Senghor, élève inspecteur des douanes à l'École nationale d'administration, analyse l'importance de cette journée. Aujourd'hui, nous avons passé une très belle journée avec aujourd'hui, c'est une journée inoubliable dans la mesure où l'anglais est considéré comme la première langue à travers le monde dans ce 21e siècle. Si vous ne savez pas nager, si vous ne savez pas conduire, si vous ne savez pas manipuler l'ordinateur, si vous ne savez pas parler l'anglais, vous serez considéré comme un analphabète. Et je dirais que vous pouvez encore être considéré comme quelqu'un qui ne peut pas être un leader. Donc pour être leader, forcément aujourd'hui, un moderne leader, donc il faut savoir quand même parler l'anglais. La journée de la langue anglaise de l'École nationale des officiers d'active revêt un caractère important dans la mesure où les élèves officiers sont contraints de parler l'anglais toute la journée pour mieux se familiariser à cette langue en vue d'être de bons leaders. Sergent chef Ahmed Tidiane Diémé, bureau information relations publiques zone militaire numéro 7. 20 officiers stagiaires du cours de formation des futurs commandants d'unité du cycle académique 2024 ont été capacités en module média les 27 et 28 mai à l'école d'application et de perfectionnement interarmes de Thiès. Ce module inclus dans les activités pédagogiques de cette institution permettra à ces futurs commandants de compagnie d'avoir des notions de base sur la communication dans leurs fonctions ultérieures. Compte rendu sergent-chef Alassane Diop. Le module média dispensé par le colonel Salou Ngoma, chef de la division média stratégie de la direction de l'information et des relations publiques des armées, porté sur la communication dans les armées, les techniques et la pratique d'interview. Les exercices pratiques dirigés par des spécialistes de la DIRPA auront permis à ces futurs commandants d'unité de mieux appréhender le caractère indispensable de la communication dans la vie de l'institution militaire. Lieutenant Moussou Komlan-Gislin, je suis de nationalité béninoise. La communication aujourd'hui constitue un moteur pour les forces armées partout dans le monde pour rentrer en contact avec leurs collaborateurs et dans un autre cas, de communiquer aisément avec la population dont ils ont la charge de défendre et de protéger. Capitaine Elhadj Ibrahim Kamara, commandant d'unité de la 2e compagnie du 12e bataillon d'instruction. La communication est un moyen central dans notre environnement. Et les forces armées, par leur rôle de serviteurs de la nation, doivent toujours tenir informée la population. Capitaine Khodje Ibramar de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. La communication, elle est importante dans la mesure où nous sommes avec la population. Si on fait des actions et qu'on ne communique pas, la population peut ne pas être au courant ou même peut ne pas maîtriser vraiment ce que l'armée fait. L'environnement là, toutes les activités doivent être communiquées dans les limites. Dans un monde en pleine mutation, la nécessité de communiquer est plus qu'impératif. Le colonel Salou Ngom, chef de la division média stratégie,
de la direction de l'information et des relations publiques des armées. Nous sommes dans un monde hyper connecté où aujourd'hui un simple tweet peut même créer des problèmes, ce qui implique une notion ou bien même une obligation de s'investir dans l'apprentissage de la communication, parce qu'il faut impérativement que le gars sache ce qu'il doit dire et comment il doit le dire, à qui il doit le dire, donc les cibles et avec quels moyens. De nos jours, communiquer est devenu un acte indissociable de l'expression du commandement, raison pour laquelle le commandement a planifié des cours en communication dans le cursus académique du militaire. Colonel Ngom. C'est très important que les officiers, surtout les jeunes officiers qui sont appelés à commander demain, soient mis en situation pour pouvoir appréhender à juste titre l'importance de la communication au cours de leur carrière. C'est pourquoi le commandement a jugé nécessaire que ces cours-là, c'est-à-dire ce module média, soit dispensé aux officiers en stage, que ce soit au cours d'application des chefs de section ou bien au cours de formation des futurs commandants d'unité. Chaque année, nous dispensons ce module aux officiers stagiaires à l'école d'application et de perfectionnement interarmes ou bien au cours d'état-major ou bien au cours supérieur de guerre. Cette promotion du cours de formation des futurs commandants d'unité, session 2024-1, à l'école d'application et de perfectionnement interarmes de Thiès, illustre le caractère d'intégration africaine de cette école nationale à vocation régionale. En atteste la diversité des nationalités qui la composent, à savoir le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Gabon, la Guinée-Conakry, la Mauritanie, la République démocratique du Congo et le pays hôte, le Sénégal. Le général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées, a reçu en audience l'ancien parachutiste Edmond Sanka, qualifié pour les Jeux olympiques de Paris 2024 dans la discipline canoë-kayak. C'était le mardi 28 mai 2024 au quartier Dialdjo. Cette qualification est intervenue à la suite de la participation de l'équipe nationale du Sénégal de canoë sprint et para-canoë tenue dans la période du 7 au 8 mai dernier en Hongrie, après avoir occupé la 4e place en finale devant l'Espagne, le Brésil et l'Autriche. Cette visite de Michel Sanka avait pour but d'échanger avec le commandement sur la participation et les préparatifs des Jeux olympiques de Paris 2024 auxquels il va participer. Sergent Yves Tchoumsen. Bonjour, je m'appelle Edmond Sanka, l'ancien soldat qui a servi au bataillon du parachutiste. Mon objectif, c'est quoi? Je veux une médaille d'or pour l'armée au pays, pour les blessés de l'armée sénégalaise et les civils qui sont blessés, qui sont ici. Je veux bosser pour beaucoup de soldats qui sont décédés au bataillon du parachutiste. Ce sont mes grands frères, mes petits frères. C'est ça pour cela que je batte pour gagner cette médaille pour amener ça ici au pays, pour l'armée, pour tout le Sénégal. C'est ça que je voulais faire. Mais maintenant, je vais aller bosser encore. Le général, il m'a reçu. Il m'a dit, Edmond, si tu fais un de l'oreille, il fait l'oreille. Je vais aller bosser pour avoir une médaille d'or ou une médaille bronze ou une médaille d'argent. C'est ça que je veux. À présent, votre rubrique disque du soldat avec le soldat de première classe, Malik Sek. Fidèles auditrices et auditeurs de l'émission Armée Nation, bonjour. Le soldat de première classe, Khadim Bakissou, du bataillon de l'intendance, offre ce morceau à ses encadreurs, plus particulièrement le caporal camarade de l'école nationale des officiers d'actifs. Caporal Faye, du bataillon de parachutistes, et le caporal Kama, du 2e bataillon d'infanterie. Le soldat de première classe, Abdou Diop, du bataillon de l'artillerie, dédie cette belle chanson à toutes ses classes du contingent 2023-3, notamment la 1ère section de la 3e compagnie du 12e bataillon d'instruction. Le caporal François Bassène, du 1er bataillon d'infanterie, offre ce joli titre à toute sa famille, à son père, sa mère, ses frères et sœurs, tous à Kolda. C'était tout pour vos dédicaces. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Vous aviez à la présentation le sergent-chef Luc Mingou, à la cabine technique.